Ouais. Voilà, et donc là, en plus de me voir, ils m'entendent, c'est ça? Ouais. C'est grand. En live. C'est beau. Et là, t'es parti? Oui. D'accord, voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, j'ai rien suivi de ce qui s'est passé en tech, donc c'est un Shadow News Tech, là où je vais juste assister Arnaud. Alors, en fait, c'est pas tout à fait vrai, puisque je n'assiste jamais réellement. Si, j'ai une news hyper importante sur le changement des CPU et le changement de la RAM. Voilà. Je suis sûr que tu l'as pas. Non. Sur quand est-ce que ça arrive avec des dates. Ah, non, voilà. Ça, je l'ai pas. Donc je reviendrai dès qu'on passe la barre des 150 viewers, autrement je ne donne pas. Voilà. C'est pas mal. Allez. Pourquoi bonjour président et les beaux gosses, c'est pas du tout sympa, ça veut dire quoi ça? Le président n'est pas... Bah les, on est que deux. Faut vraiment, il faut vraiment... Ah oui, les, tu crois que ça m'inclut? C'est cool. Ouais. Alors, c'est normal, on commence directement avec les questions tech. Alors... Arnaud, c'est quoi le programme d'aujourd'hui? Alors, le programme d'aujourd'hui, c'est de discuter un petit peu de la bêta. On arrive vraiment à une version finalisée pour avoir une version en production semaine prochaine. Donc, on a encore fait les dernières modifications sur cette bêta. C'est-à-dire que l'idée, c'est de la mettre en stable. Alors, l'agenda, hein, d'abord. Donc, l'agenda, la bêta, on va la parler. Bêta, quoi d'autre? Il y a d'autres sujets? Non, la bêta principalement. Et après, bah, je te laisserai la partie travailler. Donc, sur on va parler Ghost, de la bêta, peut-être, de la Ghost. Ouais. Du changement de CPU et du changement de la RAM. C'est ça. Et un petit peu de la Shadow World peut-être. C'est juste ça, pour exactement. Le principe. C'est ça. Et de la soirée du 23 pour. C'est parce que s'il y a des techs, des machins qui veulent recruter chez nous, qu'ils n'hésitent pas. Ok. Oui, papa, à quoi tu joues? Tu as reçu une enveloppe noire, c'est vrai. Alors, vas-y, raconte. On commence par la bêta. Je vous rappelle que c'est un Shadow Tech. Donc on parle tech. Ouais. Voilà. Et c'est là qu'on voit quand même, alors je tiens à dire, petite introduction, c'est là qu'on voit que le produit est incroyablement plus stable. Bravo Arnaud. Pourquoi? Parce qu'on avait remarqué que quand on faisait les premiers Shadow Tech, on avait 300 personnes qui regardaient en même temps. Maintenant, et en général c'est les gens qui arrivent avec plein de problèmes, maintenant le nombre de gens à problème diminue drastiquement. Ouais. On n'a plus que 70 personnes. Mais ils n'arrivent peut-être pas à se connecter avec leur Shadow. Ah, peut-être qu'ils n'arrivent pas à se connecter. Ça se trouve, c'était une très mauvaise idée. Non, mais je crois qu'on en a de moins en moins, donc ça veut dire que ça va de mieux en mieux. En plus, on le voit. Alors, d'ailleurs, si jamais Nicolas, tu es là, tu nous écoutes. Alors Nicolas, figure-toi, c'est un chauffeur de bus qui m'a arrêté dans la rue hier et ça m'a fait incroyablement plaisir. Et bon, il y avait des voitures qui klaxonnaient derrière et tout, mais il m'a arrêté en me disant qu'il streamait sur Shadow et qu'il était incroyablement content du produit. Ça m'a beaucoup beaucoup touché. Donc merci si tu nous écoutes et j'espère à bientôt. Ça arrivait à un développeur parce qu'il avait la veste Shadow de se faire arrêter à un feu rouge. Ah, décidément. Mais il avait besoin de la veste vu quand même. Alors. Vas-y, on commence sur. Ouais, voilà, on va passer les 100 bientôt et on va pouvoir parler des CPU, des nouveaux CPU et de la RAM. Et c'est marrant, tu vois, j'ai dit, on va parler du changement des CPU et du changement de la RAM, style grosse, grosse annonce, tout le monde s'en fout. Personne ne reparle de ça, tout le monde parle de l'invitation qui ressort sur pour le Shadow World. C'est vrai que c'est un peu cool, l'invitation. Ah, ça, c'est belle l'invitation. Alors, un résumé pour ceux qui viennent d'arriver, oui, il va être court le résumé. Le résumé, c'est on va parler de la nouvelle bêta, des CPU, du changement de CPU, de la RAM, un petit peu de la Ghost et un petit peu du Shadow World et ce qui se passe derrière, même si c'est pas complètement dans la tech. Voilà le résumé. Alors, 126. C'est parti, vas-y. 147. Ah, on va peut-être dépasser 150 et je vais parler du CPU. Ils ont peut-être l'habitude aussi qu'on arrive plus à 18h05. Ou alors, ils vont faire des Ghosts pour passer les 150. Parce que j'ai dit que je parlais de la RAM et du CPU que si on passe les 150 viewers. Ouais. On est à 147 là. Vas-y, je te laisse commencer sur la bêta. J'ai 3 users pour l'instant. Attends. Alors, la bêta, on en a beaucoup parlé. Cette bêta, on en est très fiers. Pourquoi? Parce que de manière globale, elle améliore beaucoup la fluidité. On a pas mal travaillé aussi pour vérifier que sur tous les types de connexions, elle améliore. C'est-à-dire que ce soit les connexions à gros débit ou plutôt les ADSL, pour être sûr et certain vraiment que tout le monde va avoir une meilleure expérience. Qu'est-ce qu'elle amène cette bêta de manière globale? Elle amène un nouveau launcher. Donc, qui va permettre en fait de vous garantir d'avoir la meilleure expérience sans avoir à toucher les options. Alors, sans... je rappelle, si, juste 2 secondes, les règles un petit peu de comment on le fait ici. Là, on va répondre à toutes vos questions après. Là, pour l'instant, merci de poser les questions. Pour l'instant, juste sur la bêta. Donc, juste sur la bêta, si vous avez des questions ou des remarques sur la bêta, n'hésitez pas là maintenant. Après, vous pourrez faire toutes les autres questions sur les différents sujets. Vas-y, donc je disais, alors, qu'est-ce que ça améliore la bêta, tu disais? Donc, à voir, par exemple, on a encore vu un utilisateur aujourd'hui
qui avait la mauvaise option dans le launcher, qui faisait que ça dégradait un peu son expérience. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel on croit et sur lequel le produit a énormément travaillé. En fonction de votre connexion, de votre client, de votre ordinateur, si vous avez une application, si vous êtes en Wi-Fi, en Internet, de vous fournir les meilleures options du Shadow, et on va avoir en fait un mode un peu beaucoup plus simplifié. C'est-à-dire que dans cette bêta, quand on lance le launcher maintenant, 154, ouais, on va pouvoir vraiment être sûr, alors, on va assurer certains noms, parce qu'on vient de travailler dessus, mais grandement améliorer votre expérience, puisque avoir les meilleures options. Donc pour certaines personnes, ça va changer beaucoup de choses. Exemple tout bête, certaines personnes n'activent pas sous Mac le rendu alternatif des couleurs. Or, c'est qu'une fois que vous l'avez activé, vraiment les couleurs sont de bien meilleure qualité. Donc le fait, vraiment, pour certaines personnes, ça va vraiment améliorer l'expérience. Deuxièmement, sur la partie vraiment streaming, on a plus de fluidité, c'est ce qu'on disait. On a amélioré, on est pas mal de vos retours. Loïc a renvoyé un nouveau questionnaire sur savoir est-ce que c'est mieux. Et maintenant, on n'a plus que 10% d'utilisateurs qui nous disent que la production... Tu t'ennuies ? Non, je m'ennuie pas, mais elle a à moitié raison. D'accord. Vas-y, continue. On a 10% d'utilisateurs qui nous disent que la production est mieux, c'est oui, ça ? C'est ça. D'ailleurs, on va le voir ici. Juste pour info, pour ceux qui utilisent la bêta et ceux qui utilisent la stable, dites-nous si vous préférez la bêta ou la stable. Parce que pour l'instant, ce que dit Arnaud, c'est que la bêta commence à être pour tout le monde beaucoup mieux que la stable, c'est ça ? C'est ça, exactement. Alors, est-ce que c'est vrai ? Vous dites bêta si vous préférez la bêta, si vous dites stable, si c'est mieux la stable. Donc, on a la bêta, donc plusieurs, ok. Donc, ils ont tendance à dire que tu as raison. Bad diff. Bêta, ok. Donc, la bêta est franchement mieux, visiblement. Ouais, effectivement, on est vraiment sur... À part certains pour qui ça ne fonctionne pas, ou pour Heroes of the Storm, qui ne fonctionne pas sur la bêta. C'est bizarre, ça. Ça vaudrait le coup de regarder. D'ailleurs, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit que pour la première fois, depuis hier, il n'y avait plus le décalage son-image. Oui. C'est possible ? On a fait quelque chose là-dessus ? Alors, avec de nouveaux noms, par contre, ce qui se passe, c'est que le nouveau patch performance améliore énormément le décalage. Et souvent, on peut avoir, quand on change de CPU, potentiellement du décalage son, mais avec le changement de CPU, ça va grandement améliorer. Donc maintenant... Ce patch performance, c'est le truc qui a été lancé il y a 3 semaines. Je suis d'accord, mais suivant potentiellement qu'il n'ait pas changé de CPU entre temps depuis ces derniers temps et que ça restait toujours sur les 67, du coup, potentiellement, oui, ça améliore grandement quand tu ne tombes pas sur un changement de CPU entre deux hibernations. D'accord. Okay. C'est l'explication que je vois pour le fait que, mais sinon, on n'a pas changé de patch performance dernièrement, si c'est la question. D'accord. Ok. Donc, les améliorations de la bêta, si on les énumère. Meilleure fluidité, meilleure gestion des inputs. Ouais. On s'adapte beaucoup mieux aux performances pour les apps de l'application. C'est-à-dire, par exemple, si on a des pertes de paquets ou si la machine est un peu vieille. Ce que je disais la dernière fois, c'est qu'on a même on a testé des cartes de 10 ans qui ne marchaient pas et qui maintenant marchent et qui arrivent à faire des 60 FPS. Donc ça, c'est super intéressant. Pourquoi on arrive à faire du 60 FPS sur ces cartes-là d'ailleurs ? Pourquoi on n'y arrivait pas avant ? C'est quoi qu'on a changé ? C'est le renderer ? C'est le côté streamer. C'est le côté streamer ? Ouais, c'est le côté streamer. Et pourquoi ça change côté streamer sur ces cartes comme ça ? Il y a moins à décoder derrière ou c'est, Non, c'est juste qu'on le gérait mal pour ces cartes-là. Ah, il ne sait pas non plus ? Non, je sais voilà. pas. Voilà. En détail. Donc quand on ne sait pas, on dit on ne sait pas. D'accord. Donc ça améliore, mais tu ne sais pas pourquoi. Je sais que ouais, j'en ai discuté avec Greg, il m'a dit qu'il l'a testé, mais après, quoi c'est dû exactement, je sais pas. Peut-être The Drive, je sais pas vraiment. Bon, je répondrai la prochaine fois. Ça marche. Donc, quoi d'autre sur la bêta ? La qualité est bien meilleure. La qualité est bien meilleure. Alors, Greg, qualité... Il a déjà mis le truc. Greg m'a dit qu'il m'avait montré un truc là où on voyait sur la qualité aplats. D'image, ouais, les aplats qui étaient 1000 fois mieux. Alors, c'est déjà sur la bêta ou c'est sur la bêta depuis lundi ? D'accord. Donc depuis lundi, en fait, ce qui se passait, c'est donc, que depuis lundi, le ciel de PUBG est 1000 fois mieux, par exemple. Voilà, par exemple. C'est ça. Sur tous les yeux, les parties vraiment unies sur le jeu, où on pouvait avoir des artefacts avec vraiment des gros carrés. Là, pour le coup, il y a eu un bien meilleur rendu et il se concentre. Parce qu'au début, il se concentrait principalement sur les détails et terminait avec les zones, on va dire, faciles, entre guillemets, puisque c'est des aplats de couleurs. Et là, il essaie vraiment de faire quelque chose de plus. Unifié, on va dire. Et donc, du coup, ça permet effectivement d'avoir des meilleures qualités sur les ciels ou les parties un peu sombres. Donc, quand est-ce qu'elle passe en prod, cette bêta ? On espère semaine prochaine. On a encore un dernier bug à corriger
Et la validation. Regarde, ah il est là. Merci, bonjour. Coucou Ayola. Donc on espère semaine prochaine. Semaine prochaine, d'accord, très bien. Et on a eu une autre amélioration cette semaine. Et qu'est-ce qui va faire qu'on le fait, on l'envoie semaine prochaine ou pas? C'est les retours des utilisateurs ou les... C'est ça, alors les derniers retours des utilisateurs, et on a encore quelques bugs qui ont été remontés qu'il faudrait fixer quand même pour pouvoir être sûr et certain. D'ailleurs, les bugs, on va en parler. Il y a quelqu'un et plusieurs personnes qui ont remonté des bugs avec la souris, soit de latence, d'augmentation de latence sur la bêta, soit même hein, le fameux bug de la souris qui dure depuis plus de 6 mois selon Yoshi Alpha. Alors, je crois qu'il parle du bug que du curseur de la souris qui reste sur l'écran, c'est ça? Bon, on va voir. Toi, en tout cas, oui, c'est celui-là. Oui. C'est effectivement ce bug-là. Est-ce que, tu sais, on avait déjà regardé, tu as re-regardé ou pas? Parce que, bon, c'est évidemment pas beaucoup de personnes l'ont. Dernièrement, en fait, ce qui se passe, c'est que sur Windows, des fois, le curseur repasse, et c'est au niveau du client, et ça, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Yoshi Alpha, c'est à tous les coups chez toi? C'est reproductible à tous les coups? Ça arrive à chaque fois que tu lances ton jeu? Oui, c'est intéressant si c'est le cas. Parce que si c'est le cas... Oui, tout le temps. Bah, très bien. Est-ce que tu peux appeler la repro sur... contacter la repro sur... alors, peut-être tu as déjà fait, mais contacter la repro sur Discord et dire que tu as le bug tout le temps et qu'il regarde un peu quel type de connexion tu as et voilà. Ouais, c'est pour le coup super intéressant. Alors, ensuite, il y a des gens pour qui le bug de la souris, le curseur de la souris peut disparaître de temps en temps. Ouais, moi, je l'ai jamais eu, en fait. Il est rare, mais c'est vrai que des fois quand ça arrive, c'est assez pénible et donc du coup, faut qu'on réussisse à le reproduire. Donc, si on a quelqu'un qui l'a tout le temps, c'est super. Ça va nous aider à nous permettre d'avancer. Est-ce qu'on a des problèmes avec nos serveurs NTP car un décalage se fait depuis un certain temps? Non, alors ça peut être lié justement à l'horloge interne. C'est le décalage son en fait, ça. Ouais. C'est le même sujet que le décalage son. D'accord. Donc, ça devrait être corrigé avec les nouveaux CPU tout à fait. Dont on va parler. Allez, encore quelques questions. On a passé les 200, donc quelques questions. Pour voir un peu ce qu'on est capable de dire avant de parler du nouveau CPU et tout ça. Et sur la bêta, il y a une dernière nouvelle qu'on a faite mardi, je crois, c'est qu'on a optimisé la configuration de la carte pour avoir de meilleures performances. Et donc du coup, on a de meilleures performances grâce à cette optimisation. Alors, il y a Falca06 qui a posé une question, mais j'arrive pas à voir laquelle. J'ai pas suivi. Bug du bouton fin pour le volume et la lumière et haute me fait des centaines de captures d'écran, c'est pénible. Je ne sais exactement pas du tout ce que c'est que ce bug. Fin pour le volume et la lumière et haute me fait des centaines. Si tu peux le préciser un petit peu, ça nous aiderait à comprendre. Ah, FN pour le volume et la lumière. J'ai bien compris que c'est le bouton FN, mais je vois pas pourquoi ça fait du volume. Ah, sous Mac, je suppose. Non, je sais pas. Je sais pas. Alors, est-ce qu'on a des... Sur la bêta, il y a des soucis de synchro de manette PS4. T'es au courant? Et visiblement, sur la stable, ça marche, c'est ça. Et sur la bêta, ça ne marche pas. La synchro de la manette, c'est possible. Déjà, c'est pareil, les versions bêta sur le boîtier et sur les apps. Ça marche de la même façon, de la même qualité sur les deux ou, Ah oui, c'est... non, c'est les mêmes. Après, bien évidemment, il y a les différences sur le manière globale, prod, bêta, qu'importe, entre le boîtier... et les apps, mais sinon par rapport à la bêta même, non, c'est la même chose. Alors les nouvelles pour la Shadow Ghost, on va en parler, ça va être rapide, ça va plutôt être dire qu'on va tout parler de la Shadow, pendant la Shadow World. Bon, je regarde juste s'il y a une autre question et je vais vous parler des CPU. Il y a des gens qui disent que le stream se lance pas. Alors le stream se lance pas, faut contacter le support, ça peut être des fois le serveur de streamer qui se met pas à jouer avec la bonne version. Et ça, qui est bloqué sur la version de prod, et quand on passe en bêta, il met un peu, soit il met un peu de temps, et donc du coup ça peut arriver, soit s'il est bloqué, il faut contacter le support. Je dis tout ce que vous racontez, donc ça me prend un peu de temps parfois, mais c'est hyper intéressant. On me demande si c'est un slip français, mon pull. Ouais, je lis vraiment tout ce que vous racontez. Hein. mon dieu. Non, c'est pas ça. Moi. Il y en a un qui chez qui l'hibernation se déclenche au bout de 10 minutes d'activité, c'est possible? Alors ça, faut contacter le support, c'est vraiment très très curieux. C'est bizarre quand même. Le logiciel sous Linux, oui, tu peux. On a une nouvelle version qui est avec le client unifié sous Linux. Par contre, ça ne marche pas avec les cartes Nvidia. Sauf si tu as le driver propriétaire Nvidia, dans ce cas-là, tu peux passer le rendu GPU non pas sur l'Nvidia mais sur le Intel et là ça marche. Voilà, donc
Donc sur Linux, n'utilisez pas les drivers Nvidia, merci, et passez sur Intel. Il y a quand même des gens qui disent Runtos heureux, et puis ça marche super bien depuis 3 mois. Et oui, je suis d'accord, ça marche vachement mieux. Hein. Ouais, moi, j'ai joué ce week-end, travaillé ce week-end. Hein. J'ai travaillé, j'ai fait du test ce week-end, pendant tout le week-end, et ben, je peux te dire que c'était pas mal. Ouais, non, ça marche bien. La bêta qui va arriver en production, normalement, on devrait avoir plus d'utilisateurs heureux. Ça, c'est et cool. Zaiko Gaming, t'es 100% satisfait de ton Shadow? Non, c'est pas normal, évidemment. on travaille dessus, t'inquiète pas, on va rajouter des bugs. L'émigration des fourmis rouges en Amazonie, c'est un problème. Moins on a de fourmis rouges, moins on a de couleurs. Et sans couleurs, on est triste. Donc on essaie de... Voilà. Bon, allez, on passe au CPU. Alors, CPU, je vous avais dit que c'était bientôt, etc. Ben, figurez-vous que les changements de CPU commencent la semaine prochaine. Normalement, dès lundi, et vont durer toute la semaine. Donc pendant toute la semaine, on va changer tous les CPU. Mais on va pas changer que les CPU, on va aussi changer la RAM. Et ça, c'est quelque chose de très important. Oui. Parce que on a découvert, il y a beaucoup d'entre vous qui nous parlaient, ouais, c'est bien Shadow, tout ça, mais parfois il y a des chutes de FPS quand tout le monde se connecte, c'est horrible. Et on disait, mais non, c'est n'importe quoi, vous mentez. nous, on fait des tests à 2h de l'après-midi, ça marche toujours très bien, on comprend pas. Et donc tout le monde continuait, et particulièrement les insiders étaient venus me voir aussi pour me dire, si, si, il y a des vraies chutes de FPS pendant le jeu, de temps en temps, on passe de 140 FPS à 30 ou 40 FPS, bon, peut-être pas jusque là, mais 60. Des grosses chutes par deux, ouais, c'est déjà ouais, des grosses chutes de FPS, c'est insupportable, et on a l'impression que c'est pendant les heures de... Et quand on a remonté ça à Alexis et à la Virtu nous assurait que pas du tout, c'était pas possible. Heureusement, la Virtu... après plusieurs bières, a admis que peut-être c'était possible et que si et a accusé finalement la finance en disant si vous changez la RAM, peut-être que ça aiderait parce que c'est un problème de RAM et c'est pas du tout un problème de CPU, c'est pas du tout un problème de machin. Le bottleneck, c'est la RAM. Et donc, on a décidé de la Virtu n'a sûrement pas été licenciée. Sans la Virtu, nous ne saurions rien. Oui. Déjà, il n'y aurait pas de monde sans la Virtu. Dieu n'aurait pas créé l'homme sans la virtualisation. Donc ils on peut sont pas... très très forts. Et voilà. Donc, on a décidé de profiter en fait du changement des CPU pour en même temps changer la RAM. Oui. Alors, c'est un changement un peu particulier parce que c'est un réordonnancement de la RAM, mais quand on a regardé, ça augmentait les performances de façon hallucinante. Oui. Dans certains cas, attention, hein, mais dans certains cas, oui. C'est-à-dire certains cas, bah surtout, tu n'avais pas la baisse de FPS. Exactement. Tu n'avais pas la baisse de FPS quand il y avait plusieurs personnes qui se connectent sur un serveur. Maintenant, tout d'un coup, tu étais à 120, mais tu restes à 120. C'est ça. Et donc voilà, donc ça, tout ce changement de la RAM et du CPU se fait la semaine prochaine. Alors donc pendant RAM, toute la semaine prochaine. Est-ce que vous aurez plus de RAM ou pas? Alors non, vous n'aurez pas plus de RAM. Mais en fait, c'est comme si vous avez plus de RAM. Alors, ça ressemble à des conneries comme ça. Hein. C'est comme si vous aviez plus de RAM. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant, vous aviez 12 Go de RAM, mais vous n'étiez pas capable d'utiliser les 12 Go de RAM. Ça, voilà. Et vous aviez. Donc là, on va mettre 16 Go de RAM. Par personne, si j'ai bien compris, oui, sur ces 16 gigas de RAM, vous allez être capable de... Alors, il faut que je vérifie si c'est 12, mais je crois qu'on augmente ça à 16. Mais en tout cas, vous allez être capable d'utiliser l'entièreté des 12 sur les 16 complètement, cette fois. Et même quand il y a d'autres personnes qui se connectent. Donc, ça va faire une très, très grosse différence. En plus, on a laissé de la place pour pouvoir... Ouais, un peu genre, on passe de 32 bits à 64 bits, exactement. En fait, on va utiliser plus de canaux, tout bonnement. Comme on aura plus de barrettes, on va avoir plus de canaux. Exactement. Plus de canaux, on va pouvoir utiliser les barrettes en parallèle. Donc du coup, on va utiliser 2, on va utiliser 4 en parallèle. Et ce qui fait qu'on n'a plus de problème. Ce qui fait que c'est beaucoup plus efficace. Déjà, on a une augmentation un peu de performance dans les jeux. Mais en plus, quand d'autres personnes se connectent, on n'a plus de chute de RAM parce qu'il y a deux personnes qui l'utilisent. Vous avez toute la RAM pour vous tout seul. Et cet effet-là, en plus de ça... On a réordonné les trucs pour pouvoir avoir dans les serveurs une petite couche libre si jamais on a envie de l'augmenter encore. Donc première chose, on fait dans un premier temps, on divise la RAM parce qu'on a vu que les performances étaient bien mieux et que vous êtes capable d'avoir l'entièreté des 12 Go de RAM à la place d'une partie comme c'était avant parce qu'on s'était mal agencé et ça nous a fait super plaisir. C'est pour ça qu'on peut en profiter pour faire le changement la semaine prochaine en même temps que tous les nouveaux CPU. Donc les nouveaux CPU, je le rappelle, c'est des 2678. Voilà. Qui vont aller de pair avec les 2667. Donc c'est tout, voilà, qui vont de pair avec les 2667. Donc il y aura les deux qui vont coexister. Tout ça sur la semaine prochaine avec le changement de la RAM. Et on va voir les résultats. Normalement, vous devriez avoir. Alors non, tu auras plus de problèmes sur Star Citizen. Ouais. Et d'ailleurs, on est en train. Alors on a plein de gens qui sont très contents parce qu'ils sont en train de jouer à Star Citizen sur Shadow. On peut enfin dire qu'on peut jouer à Star Citizen sur Shadow. Ça nous fait très plaisir. On est d'ailleurs en train d'essayer de voir si on pourrait pas faire un truc là-dessus pour dire avec Shadow, on peut jouer à Star Citizen.
Et donc maintenant, on va commencer à voir un peu. Faut que je m'y mette d'ailleurs. Ça a l'air très prometteur, Star Citizen. Ouais, je préfère pas moi. Mais bon. Mais ça a l'air trop cool. Et donc voilà. Et on va voir donc la semaine prochaine un peu comment ça marche et à quel point ça améliore les choses. Pour revenir, il y avait une question de combien on avait avant sur les 12. Alors ça dépend. Et c'est ça le gros problème, c'est que ça dépend. Ouais. Dans les meilleures conditions, vous aviez 10-11. Mm-hmm. En gros, c'est-à-dire quand il n'y avait personne et que vous étiez tout seul sur le serveur. Ce qui était chouette et qui n'arrivait pas souvent. D'accord ? Maintenant, oui, et même avec les 2676, c'est sur tout le monde. Et donc, vous aviez dans les meilleures conditions 10-11. Sauf que quand quelqu'un d'autre arrivait, vous tombiez à 7-8, parfois même moins, surtout si l'autre personne à côté bouffait beaucoup. En fait, c'est la bande passante de la RAM qui compte. Et la bande passante faisait bottleneck et en fait, l'information était divisée par deux et était beaucoup plus lente à envoyer. Voilà. Oui, les 2678, c'est les fameux CPU de Google. Donc, semaine prochaine, nouveau CPU, nouvelle RAM pour tout le monde et en plus de peut-être la bêta en prod. C'est ça. Donc vous trouviez que Shadow c'était déjà bien maintenant, rassurez-vous, les bugs reviennent la semaine prochaine. voilà, vous allez en voir tout plein, mais ça va être de plus en plus top. Tu y travailles beaucoup d'ailleurs avec la Shadow World. Ouais, alors ça c'est l'autre truc, putain, je mets une bonne pression sur... Ça va bien? Ça va très bien. Ça va très bien, Shadow World. Et c'est ma conférence, hein, on a intérêt à être hyper bon. Autrement c'est moi qui l'ai ridicule, je déteste avoir l'air ridicule. Les gigahertz du nouveau CPU avec les cores désactivés, ils montent à combien? Donc, de 9. Nouveau CPU. Pas quand les cores sont désactivés. Ah, ça change pas grand chose en fait. On a regardé ça. Ouais, si t'en désactives 4, c'est mauvais, ça change pas mal. Ouais. Mais on les désactive pas tout. Là, ce qu'on va mettre, c'est le nouveau CPU à 2,9. Voilà. Le nouveau CPU avec 2,9 et avec combien de cores par personne? Entre 5 et 6. Entre 5 et 6 cores par personne. À voir quelles sont les meilleures performances. Et 2,9 contre les 2667 qui avaient 3,2 avec 4 cores par personne. Voilà. Donc ça sera mieux sur les jeux qui utilisent plus de CPU. Et... ça sera, en tout cas, ça fait une très très grosse différence avec les 2620. Et normalement, c'est à peu près similaire aux 2667 selon les jeux. Certains mieux, certains moins bien. Comme j'ai dit, on va regarder un peu ce qu'on dit. Sur StarCraft, par exemple, qui consomme donc, beaucoup de CPU. Donc, côté RAM, on était sur du mensonge jusque-là. Alors, c'est une très bonne question et ça remet les fondements de qui on est chez Shadow. Non, on dit ce qu'on pense et on dit ce qu'on est. Et quand on fait de la merde, on le dit. Donc, ça veut dire qu'on était persuadé que ça marchait. D'ailleurs, la virtualisation, quand tu lui dis il y a des chutes de FPS, il dit non, c'est pas vrai, c'est les gens mentent, voilà. Donc on était persuadé que notre truc marchait. Quand tu découvres un bug, un truc qui marche pas, tu dis ah merde, ça marche pas. Et donc oui, on peut dire qu'on était sur du mensonge parce qu'on s'est trompé, mais on peut dire, enfin voilà. Donc c'est comme quand je te dis la bêta marche beaucoup mieux, pour certaines personnes, ça sera pas le cas. Bref, voilà. Beaucoup aimeraient avoir de vraies nouvelles pour la box et une sortie. Nous n'avons aucun moyen d'avoir une box et donc d'utiliser à 100% Shadow et pourtant on paye 100% du prix. Alors non, tu payes pas le prix de la box, obviously, puisque tu payes juste le prix de l'abonnement sans avoir acheté la box. Alors, des vraies nouvelles de la box, j'aimerais bien. Qu'est-ce qu'on peut dire comme vraie nouvelle de la box? On peut dire, t'en sauras plus au Shadow World. Ça, c'est sûr. On peut dire que on aura une nouvelle interface pour la box. Oui. On peut dire que... elle sera... utilisable entre guillemets en démo pour le Shadow World. Qu'elle sera utilisable en démo sur le Shadow World. On peut dire que j'ai trouvé une information pratique qui est quand même une vraie information sans que toute la boîte me tombe dessus. On peut dire qu'il y a plein de gens qui l'utilisent déjà au sein de la société et qu'on a une bêta de 50 personnes qui sont en train de l'utiliser. Et on peut dire que les retours sont plutôt super bons. Voilà. Peut-être pour les insiders. C'est pas des vraies informations, je suis désolé. Je peux pas en dire beaucoup plus avant la Shadow News. Alors, est-ce qu'on pourra échanger l'ancienne box contre la nouvelle? Je n'en sais rien et je ne dis pas ça ici. À quand l'UE? À quand le double screen? Je sais, il n'y a même pas la question qui est. Mais comme ça me manquait, allez, j'ai envie. Avant, à quand le double screen? J'ai envie de répondre que tu as dit non au double screen, non? Non, c'est une bonne question. Alors, je me pose des questions difficiles moi-même. Ouais, en fait. Je sais. À quand le double screen? Peut-être qu'on va en parler bientôt. Très bientôt. Voilà, très bientôt. Je vous avais annoncé que c'était très bientôt, donc ça sera très bientôt. Voilà. Quand commencez-vous le Shadow Canada? Je ne sais pas. Pas de double screen. Je vous ai dit, le double screen, c'est mon combat personnel. Voilà. Ok, alors...
qu'est-ce qu'on... Tu voulais parler... Donc là, Shadow Ghost, voilà, on a dit... Dernier sujet, peut-être, le Shadow World, et après on parle de toutes les questions complètement stupides. Shadow World, ouais, j'ai annoncé qu'on allait faire une conférence Shadow World. Alors, petit truc intéressant, la Shadow World, c'est la conférence qu'on fait parce qu'on n'a pas fait la Paris Games Week. Pourquoi on n'a pas fait la Paris Games Week ? En fait, la Paris Games Week, on avait fait la première année, la Paris Games Week en 2016, on avait un petit stand qui était trop sympa, tous les développeurs s'étaient déguisés en moines Shaolin futuristes, c'était complètement stupide, on avait détruit des ordinateurs avec des pro-gamers qui avaient commencé à détruire des ordinateurs, c'était assez drôle, à la batte de baseball, et on avait un petit stand qui coûtait 80 000 euros à cette époque-là. Et bon, c'était déjà énorme pour nous, c'était énormément d'argent. Mais tout le monde avait participé, on avait arrêté le développement pendant une semaine, c'était trop sympa. L'année dernière, on a refait la Paris Games Week en plus grand. Donc ça, on avait pris un stand beaucoup plus grand, ça nous a coûté 150 000 euros à peu près. C'est des gros prix quand même. Hein. Donc c'est énorme, mais c'est petit par rapport aux autres. On avait un stand avec une piscine à bulles, des trucs un peu sympas, on pouvait jouer. Donc il y avait tout le marketing qui avait bossé comme des malades, mais c'était quand même un gros truc du marketing, avec l'infra qui avait beaucoup aidé pour avoir le truc. C'était vachement sympa quand même. Mais on se dit quand même, ça a coûté cher. Cette année... Les gens sont arrivés, le marketing, en disant « Bon, là, on va faire un gros truc, on est devenu de plus en plus gros. Il faut avoir l'air sérieux par rapport au Samsung, par rapport à Nintendo. » Voilà. On a proposé un stand à 400 000 euros. La Paris Games Week, un truc complètement dingue. Tu vois, ça va être génial. Bon, ça sera toujours plus petit que jeuxvideo.com ou que Samsung, que Microsoft, mais 400 000 euros. Voilà. Et à ce moment-là, en fait, j'ai dit « Vous vous rendez compte qu'on est en train de dépenser 400 000 euros ?» pour un truc qui va durer 3 jours, alors qu'avec 400 000 euros, on peut s'acheter une maison avec piscine en bord de mer pour les employés, par exemple. Et je pense que ce serait plus sympa de s'acheter une maison avec piscine en bord de mer pour les employés. Ou alors, on peut planter des arbres pour chaque Shadow qui a été acheté. Je préfère la piscine en gros, on peut faire plein de choses vraiment intéressantes et belles pour 400 000 euros. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on ne va pas faire la Paris Games Week, on va faire une super grande conférence, peut-être pas à ce prix-là, hein, mais pour pouvoir faire des choses qu'on aime et qui nous ressemblent. Et c'est la Shadow World, là où on va enfin parler de notre île avec un laser. Donc, la Shadow World, je vais commencer à dévoiler les plans de l'île avec laser. Et on va commencer à discuter de tout ça. Et on va commencer à dire où est-ce qu'on va, qu'est-ce que va devenir Shadow dans le futur, et quelles sont les prochaines étapes qui sont plus que faire comme un ordinateur. Parce que là, qu'est-ce que vous avez en gros? Là, ce que vous avez, c'est on est en train de faire un ordinateur qui commence à marcher plutôt pas mal. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on n'est pas capable de faire beaucoup mieux? Quelle est la prochaine étape? Donc voilà, et comme il faut qu'ils arrivent à tout finaliser pour la prochaine étape, c'est un peu stressant pour l'équipe développement. Ça se passe bien ? Ça va. Ok, go question. Et oui, plantons des fleurs, je suis pour. Alors c'est quand la Shadow World ? La vie, c'est vrai ce qu'il dit. Un arbre par Shadow acheté, good idea. Bah oui, moi j'aime bien acheter un arbre sur notre île par Shadow acheté. Et en plus, honnêtement, vu le nombre de ventes actuelles... Ça marche hyper bien dans tous les pays. C'est pas des arbres qu'on achète, hein, c'est des forêts. Mais je pense que ça peut être sympa pour chaque personne qui achète. Il a son arbre avec son nom dessus. Forêt, hein. Dans une forêt, tu vois, un truc hyper sympa pour. Et on va repeupler de forêts parce qu'il y a plein de gens qui vont acheter Shadow. Tu vois, c'est pas comme quand t'achètes un paquet de biscuits et que tu plantes un arbre. Ouais. Là, t'en aurais vraiment, vraiment plein. L'Amazonie, une partie Shadow. Alors, est-ce qu'on compte recruter à Toulouse un jour? On compte. Alors, oui, c'est d'ailleurs très, très bonne introduction pour le prochain sujet. Le prochain sujet, c'est le 23 novembre, donc vendredi 23 novembre, il y a Shadow Wants You. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, si vous avez envie de bosser avec nous, si vous êtes passionné, si vous avez du talent, si vous savez, je sais pas moi, jongler, danser ou développer, ou faire de l'administration comme pas deux, ou être un as du marketing, ou simplement avoir envie de faire plein de choses avec nous, venez. Venez, il y a un formulaire pour proposer de revenir, en gros. Et on a une grande soirée avec des pizzas, des questionnaires, des machins, des jeux, là où on va pouvoir faire un entretien un peu différent. Et donc, on attend plein de monde et on espère que vous serez là. Voilà, donc c'est sur notre site internet, vous pouvez voir. Très bonne idée, est-ce qu'on cherche des bénévoles pour le staff, pour la Shadow World? Oui, je pense qu'on va commencer à faire des demandes là-dessus. On va voir. Alors,
Est-ce que vous avez, est-ce qu'on recrute dans l'équipe finance? Oui, on recrute dans l'équipe finance. On recrute partout, honnêtement. Oui, je pense. On recrute en ce moment 10 personnes par semaine. On fait des entretiens d'embauche tout le temps. On a, alors c'est très sympa, mais on a complètement marre. Donc c'est pour ça qu'on préfère faire une sorte de gigantesque soirée là où on s'amuse un peu plus et là on fait tous les entretiens d'un coup. Oui. Puis faire un truc qui ressemble un peu plus aussi, les entretiens ouais. En mode. Exactement, là où on se met plus à l'aise et on rigole plus et là où on peut faire des trucs un peu plus drôles. Un petit mot sur le tournoi des Shadowmakers. Non, on va en parler au Shadow Morning, je vous rappelle, le lundi matin. Les Shadowmakers, le tournoi des Shadowmakers, je ne sais pas exactement où il en est, et c'est moi qui ai honte, là. Je suis parti, en fait, depuis une semaine, comme Victor l'a fait très bien marquer, en levée de fond, en faisant des audits techniques, en montrant qu'on a la meilleure techno, en faisant plein de choses. Donc, c'est pour ça que je suis à moitié perdu quand Arnaud il parle de ce qui se passe au développement et de l'hibernation. Et que je suis à moitié perdu sur tous les sujets. C'est-à-dire, pour l'instant, ce que je fais, c'est que je raconte à des gens en cravate comment marche notre système et pourquoi on va diriger le monde. Alors, je vais répondre par USB. Sur Mac, parce que vas-y, j'ai ouais. Du fois. On y travaille, on a discuté avec Maxime, notre responsable produit, la semaine dernière. On y travaille vraiment. Avec l'unifié, on aimerait vraiment que vous ayez plus de problèmes en mode telle feature, vous l'avez sur tel client. Et donc du coup l'unifié va vraiment répondre à ça. L'unifié est en insider depuis lundi, donc on avance et on espère avoir une bêta en décembre de l'insider. Donc comme on l'a dit, hein, quand cette bêta elle sera en production, la prochaine bêta sera l'insider. Et donc du coup, ça sera l'unifié, désolé. Et donc du coup, avec cet unifié, on va pouvoir, quand on ajoutera une feature, l'avoir vraiment partout. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille. Alors, le tournoi Shadowmakers, c'est samedi à 14h30. Il faut venir soutenir votre Shadowmaker préféré. Il y a plein de gens qui stream sur Shadow. Venez les voir, regardez et dites ce que vous en pensez. Donc on vous attend tous. Que pensez-vous des solutions de cloud computing de la concurrence comme Google et Nvidia par exemple? C'est une question auxquelles j'ai déjà répondu plein de fois et le problème c'est que si je commence à en parler, j'en ai pour à peu près une heure. Comment on peut répondre ça en une demi-minute? Pour le début, c'est bien. Après, ils sont quand même, comme tu disais, ils viennent de démarrer. Donc pour l'instant, on est bien en avance sur eux. Allez, on le fait en grosse cheville de on n'est pas humble et on s'en fout. Okay. Ils démarrent, c'est très bien. Ils font un truc qu'ils donnent par le navigateur, pour Google par exemple. Leur but, c'est de faire de la console. Honnêtement, ils ont une bibliothèque de jeux limitée. Avec des performances qui vont pas excéder le 60 fps, qui vont pas être complètement dingues, et avec une latence qui de toute façon sera un peu importante parce que ça passe par le navigateur internet, donc de façon obligatoire, on va avoir des performances qui sont liées par ça. De toute façon, leur but c'est de pouvoir faire du couch gaming, ce qu'on appelle, c'est-à-dire un truc cool, là où tu arrives rapidement de façon pas chère, tu as une bibliothèque de jeux et tu peux jouer exactement comme les consoles. Voilà, nous on fait du PC. Donc il y a plein de gens qui vont prendre Shadow et qui vont prendre en plus le service de Google ou d'Nvidia derrière pour avoir un abonnement, une sorte de Netflix du jeu vidéo derrière pour accéder à certains jeux et faire plein d'autres choses à côté. On pense qu'il y aura toujours un marché du PC et de la console et on va toujours essayer de faire un truc qui marchera de mieux en mieux. À part ça, bon après, on est très content qu'il y a plein de gens qui viennent et qui expliquent que le cloud c'est l'ordinateur du futur et que le cloud c'est le jeu vidéo du futur. C'est à nous d'être meilleurs que tous les autres. Et c'est à nous de faire le truc le plus dingue du monde. Et c'est ce qu'on veut faire. On a un an et demi pour le faire. Et on va aller encore plus vite derrière. Voilà. La Shadow World sera retransmise. Oui, on va essayer de faire en sorte que ce soit retransmis. Et donc Shadow va dominer le monde. Bah, j'espère bien. Avec alors, j'aime pas le terme dominer. Je préfère le... Être. Je préfère le concept d'être supérieur ou de changement de mentalité ou de contrôle des cerveaux. Un truc un peu plus soft, quoi. Domination, c'est... voilà. Non, mais réellement, notre but, c'est une île. Une île avec un laser, là, où on peut accueillir notre communauté et commencer à faire des choses vraiment belles et vraiment intéressantes. Pourquoi un an et demi? Pourquoi un an et demi? C'est une bonne question. Je ne répondrai pas à cette question là, maintenant. Alors, j'ai un problème, on revient à une question directe, j'ai un problème, mon Fortnite crash tout le temps, une explication. Non, il y a plein de gens qui jouent à Fortnite sur Shadow, donc le plus simple, peut-être réinstalle-le, peut-être c'est un problème Windows ouais, en fait. Possible. Si t'as juste Fortnite qui crash tout le temps quand tu le lances, c'est tout à fait possible que ce soit un problème d'installation ou un truc, ou un problème de driver ou un autre logiciel, comme sur un ordinateur normal.
parce que on a vraiment pas trop de problèmes avec Fortnite sur la plupart des Ça gens. sera, je pense. Ouais. Alors, est-ce qu'on va compte mettre un jour de l'Intel Optane? C'est pas cher et utile. C'est vrai. C'est pas cher et utile. C'est pas complètement vrai que c'est pas cher. C'est une bonne question. Faut qu'on regarde les perfs. Tiki 69 sur le problème de FN, c'est sur la bêta ou la prod? Ou les deux? Pour le problème de FN, comme t'es le deuxième à l'avoir. Alors, La bêta. Ok. Et en prod, tu as le problème ou pas? Désolé, on essaye de. j'ai des. À quoi sert le laser? Exactement. À quoi ça sert un laser? Des trous C'est marrant que les gens posent la question à quoi ça sert. à Imaginez plusieurs découper oiseaux qui à... passent dans le voilà ciel, par exemple. Et bien, avec un laser, on peut s'assurer qu'ils n'arrivent pas exactement dans la bonne direction. Et puis, il y a. En fait, c'est tout bête. On s'est aperçu que t'obtenais vachement plus de choses des gens quand tu demandes poliment avec un laser que quand tu demandes juste poliment. ça me rappelle un certain monsieur vivant à Oui. Chicago mort Oui, effectivement. Bien joué la référence. Une théorie, je pense, sur la box Early Bird et une clé pour l'île laser. Non, pas vraiment, mais c'est sympa, j'aime bien le truc. Ouais, il n'y a pas besoin de Mais non, c'est Twitch. pas vrai, je retire ce que j'ai dit, j'adore les oiseaux, on est tout à fait défenseur de ces stupides animaux. Même les poules? Pas les poules, Ah, mais. d'accord, ça me rassure. Vous faites beaucoup d'annonces, mais jamais de date. Comment c'est moche? On vient de dire que la semaine prochaine, les CPU et la mémoire allaient être changés. C'est vrai. Si c'est pas une date, ça. Et on fait. Puis en plus, le problème, c'est que Et puis vous là. êtes nombreux, il y a beaucoup de serveurs, donc vous n'allez pas avoir chacun exactement la même date pour le changement, par Voilà. exemple, du serveur. Et après, bon, qu'on soit honnête, dans 2 semaines, on fait une grande conférence. Si je commence à mettre des dates maintenant, déjà, il y a le marketing qui va me sauter dessus. Ça, j'aime bien, je trouve ça plutôt cool. Et après, je passe une journée à m'engueuler avec tout le monde, donc c'est plutôt gentil. Mais surtout, il y a moins de monde qui va venir à la conférence et moins de journalistes. Et ça, je vais être un peu triste. J'aime bien, plus il y a de gens en face, plus j'aime bien, mieux j'aime parler. Enfin, et je vais réussir à la faire en français, cette phrase, un jour. C'est connu dans le dev, on est toujours sharp au niveau des dates. Ah oui, et Hein? en C'est comme dans plus, le bon, non, bâtiment. mais là, c'est même pas pour ça que je donne pas de date. Hein. C'est pas parce que maintenant qu'il y a Arnaud, c'est plus difficile d'en avoir des dates. Moi, je vais voir les devs, je les engueule fort et ils me donnent une date. Maintenant, je vais voir Arnaud, je les engueule fort et il dit toujours, bah, qu'est-ce que tu veux que ça change? Ça arrivera quand ça arrivera. Hein. Donc voilà. Donc c'est plus efficace. C'est dans 2 semaines la conférence Shadow World. Oui, ça commence le 29 novembre et c'est sur 3 jours. Certains d'entre vous ont déjà eu une invitation, mais tout le monde peut venir. La deuxième journée, c'est avec notre communauté. N'hésitez pas à venir. C'est juste une soirée, juste pour vous, en fait. On a décidé justement que c'était grâce à vous qu'on était là. Et donc, sur les 3 jours, il y a une soirée qui est juste pour vous. Mais on va expliquer ça en plus. Mais suivez-nous sur Twitter, sur Facebook, regardez ce qu'on raconte. Ou suivez mon compte d'ailleurs. Je vais me faire de la pub direct. Comme ça, je vais rajouter des choses sur Shadow World. Non, les spas plus puissants sont différents. Il y en a un qui a plus de cœur et qui est légèrement un peu en dessous en termes de fréquence. Donc du coup, les jeux, derniers jeux qui utilisent plus de cœur vont en profiter. Donc du coup, les nouveaux jeux vont en profiter. Par contre, les vieux jeux qui, eux, ont du mal à utiliser tous les CPU, tous les threads, donc du coup, vont utiliser moins de cœur, eux vont les légèrement impacter. Mais au final, c'est faux parce qu'on a fait des tests sur StarCraft 2. Et avec le nouveau CPU, on avait plus de FPS avec le nouveau CPU qu'avec l'ancien CPU. Et pourtant, StarCraft 2 utilise 1 à 2 cœurs. Donc vraiment, très honnêtement, ils sont pas moins performants, bien au contraire. Ouais, mon Twitter c'est @ilnarion. Si Fortnite crash toujours, faudrait que tu revoies avec la repro, c'est le plus simple. Et plutôt qu'avec le support, si des problèmes comme ça, très spécifiques, n'hésite pas à demander à la repro, peut-être qu'ils pourront plus t'aider. Donc sur Discord, tu vas demander à la repro. Sur GTA V, il faut regarder, je sais pas comment est codé GTA V, mais en tout cas GTA V depuis la bêta on a de bien et le patch performance, on a de bien meilleures performances Et ça sur devrait aller GTA encore V. mieux Donc avec. vraiment ça, Tiens, c'est d'ailleurs. très intéressant. Et surtout avec le dernier réglage qu'on a fait cette semaine. Donc je veux même que tu regardes sur la bêta cette semaine GTA V, puisqu'avec l'optimisation de la carte des configurations de la carte graphique, on a de meilleures performances sur GTA V. Alors,
on va prendre une dernière question, mais juste avant, il y avait une question de combien de temps ça va prendre de changer les CPU. Ça, c'est la bonne nouvelle, on va pas faire comme la dernière fois, là où on va changer qu'une petite partie, ça va prendre beaucoup plus longtemps, et sur plein de semaines d'affilée, là, on va en changer de plus en plus. Là, on va tous les changer, et ça va prendre une semaine. Alors, c'est du bâtiment, encore une fois, il peut toujours y avoir du retard, hein. C'est des gens qui vont commencer à démonter des dizaines de milliers de serveurs, retirer la RAM, retirer le CPU à l'intérieur, remettre de la RAM, remettre le CPU. Il faudra avoir une petite pensée pour eux quand même. On va d'ailleurs essayer de redémarrer, regarder si tout se passe bien. Voilà, c'est énorme. Vous imaginez quand même, c'est des dizaines de milliers de serveurs. Donc c'est un boulot à plein de gens à faire ça. C'est du boulot d'usine de façon incroyable. Mettre le radiateur, c'est vraiment. Exactement. C'est pas simple. Ils peuvent prendre du retard, ils peuvent se passer plein de choses, mais là, dans l'organisation, c'est prévu sur la semaine. C'est toute la semaine prochaine. Donc ça démarre début de semaine prochaine, ça finit fin de semaine prochaine. Voilà. Il n'y a normalement pas de maintenance prévue pendant les changements. Pour l'instant, il n'y a pas de maintenance puisque on va changer. On est devenu assez fort pour changer les parties du data center pendant que vous êtes tous connectés, donc pendant qu'il y a plein de places libres. Et ce qui reste, donc vous pourrez toujours vous mettre sur d'autres trucs. Papa, à quoi tu joues? Je ferai une référence, ça marche. Bon, allez, une dernière question. Du coup, ceux qui ont commandé en Shadow en novembre de l'année dernière, comment on reprend un abo? Ben, je crois que tu peux te désabonner si tu veux, mais si tu ne te désabonnes pas, c'est automatique. Alors c'est à moitié moche, hein, soyons clairs, c'est quand même à moitié moche, mais donc normalement ça reprend un abonnement automatique si tu ne te désabonnes pas. Mais en tout cas, merci, ça veut dire que depuis un an, t'es encore là, t'en as subi des belles quand même, donc bravo. Bon. Merci beaucoup à tous. N'hésitez pas encore à me contacter sur Discord ou sur Twitter ou n'importe où de toute façon. C'est un vrai plaisir de faire les Shadow News avec vous en vrai. Et on voit quand même que le produit s'améliore franchement. Alors il y a toujours plein de problèmes et on va les régler. Mais des gros merci. À bientôt. Merci.